Alors. Alors Guy, malgré sa haute stature, est un ancien jockey. Il faisait des courses d'obstacles et vous avez vu une démonstration là, il est arrivé dans un fauteuil. Il a un peu blackboulé, mais c'était dans un fauteuil. Je m'appelle Clavagnac. C'était pas trop. Alors j'ai proposé que la prochaine fois, quand même, on fasse deux voyages. Pour que ça soit moins. Ça fait partie des imprévus. Qui font rire malgré nous, comme souvent. Mais nous, on a cru que c'était vrai. Ah oui, non, mais souvent, vous savez, on fait rire, mais de nous. Et malgré nous. Et pourquoi le choix de cette pièce, voilà. Pourquoi le choix de cette pièce? Parce que j'avais vu la compagnie Jacques Fabry jouer ça dans les années 70 et qu'elle m'avait bien amusé à l'époque. Et que, bon, ben, j'ai dit pourquoi pas. Et mais il était un peu compliqué parce qu'en fait, nous, on la joue un peu lentement par rapport à la compagnie. Jacques Fabry est un excité qui saute partout, qui court comme un cabri. Le rôle de Zaxiev, c'est Gilles qui faisait ce rôle, et excité, il fait carrément le supérieur en arrière, enfin, sur scène, il y a des scènes de cirque. Changement de registre, là, c'est pas trop, par rapport au Pagnol et tout ça, là. Si, c'est vrai, parce qu'on a du mal à se défaire de personnage, parce qu'on est imprégné dans Pagnol. Et après, donc, pour oublier, il y a un certain temps d'adaptation. Et à partir de là, donc, dès l'instant où on s'oublie, on arrive donc à récupérer donc la nouveauté, mais c'est pas évident. C'est vrai, ce changement de registre, là, c'est pas trop dur, non? Non, mais attendez, elle a toujours été secrètement amoureuse de moi. Ah, bon. D'accord. Et ça va bientôt se conclure. Voilà, vous réglez vos comptes sur scène. Et c'est dommage, parce que j'avais des personnages plus intéressant pour moi, mais enfin, plus jeune. Enfin, vous verrez dans la pièce, plus jeune. Et là, je suis poursuivi. Ah, ça change complètement. Moi, ça m'a été dur parce qu'on n'est pas habitué à ces mots russes. Oui, le Moussov soviétique, c'est en quelque sorte un rému russe. Beaucoup d'humanité chez ce personnage haut fonctionnaire. Il n'y a pas que des camisoles. Non. Mais voilà, il vaudrait mieux que vous voyez le reste de la pièce. D'accord, pour vous faire une idée plus précise du personnage.